Hello tout le monde, salut Hello. salut, j'espère que vous allez bien. Je viens de me faire maquiller et maintenant ça va être l'inverse. C'est toi qui Oui. va me maquiller, du coup je sais pas trop ce que ça va donner. Tu as choisi T'as pas quoi comme peur? thème? Zombie. Zombie? Voilà, Oui. donc j'ai mis ma petite robe zombie. Yes. Et je suis prête à me faire massacrer. Allez, c'est parti. Let's go! On commence par du blanc alors. Bah oui, parce que je suis un peu morte en fait. Et je revis. D'accord, donc déjà, je sais pas comment l'ouvrir. Alors, non, ça ira. Très bien. Je prends ça, celui-là. Ce que tu veux. Je me fais plaisir. Hein. Ouais, tu te fais plaisir. Faut en mettre beaucoup, pas. Donc j'ai déjà mis ma crème, mon fond de teint de base, et là je le laisse commencer avec la poudre. Faut appuyer beaucoup, pas. Je kiffe quand tu vois la fumée qui se revoit un petit peu là, c'est parfait. Ouais. Je pense que je vais en mettre beaucoup. Hein. Donc là, tu vas me tamponner comme ça. Ouais, bah c'est pas comme ça qu'on fait. Alors là, tu vas massacrer mon pot, alors c'est comme ça qu'on fait. Que si tu fais comme ça, regarde tous les points que ça fait. Allez, bah je te demande depuis tout à l'heure. Vas-y, tu peux étaler aussi. Non. Moi comme je suis déjà blanche de base. Ouais mais je pense qu'il faut en mettre beaucoup quand même. Moi je veux que ça soit bien blanc. Faut mettre la dose. Ah voilà, ça commence à être pas mal. Tu kiffes un peu là-bas. Tu vas me mettre dans les trous de nez aussi. Ah bah faut que ça soit blanc partout hein. Alors, si je t'éternue dessus, tu te plaindras pas. Hein. D'accord. Il s'applique. Ouais. Ouvre les yeux. Non. J'ai bien blanchi là déjà, mais ça se voit pas trop moi. Mais ouais, c'est bizarre. Bah, je suis blanche. Merde, oula, j'en ai mis beaucoup là. C'est presque un fond de teint, enfin c'est presque une poudre que je pourrais me mettre quoi. Mais je suis un lama, je suis assez blanche là. Bon, c'est pas mal là non? C'est bon? Encore? Bah vas-y, encore un petit peu. La vidéo va durer 45 minutes. Fais comme ça là. Voilà. Bon, si, c'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. Ok, bon bah je te laisse passer à la suite alors. Ok, alors. Alors il y a un petit quelque chose qui est sympa à faire aussi, je veux bien le pinceau. Pardon. C'est, bon moi j'ai le teint déjà très très blanc, mais sinon pour que ça continue en fait, ça va être dans la continuité, blanchir un petit peu le cou et le décolleté parce que sinon ça va faire un marquage. Bon, toi oui parce que t'es très très bronzé, moi ça fait pas un marquage énorme, mais c'est vrai que c'est bien de penser à blanchir légèrement quand vous faites un maquillage le cou et le décolleté si vous en avez un. Alors ensuite, c'est du mauve hein, c'est ça on m'a dit. Sinon tu fais mon assistante. Bah après tu fais ce que tu veux, enfin... Moi je t'ai dit que c'est vrai que les zombies, dans les couleurs que je lui ai conseillées, c'était du rouge, du violet, du bleu. Genre ça? Alors un peu comme ça, plutôt celui-là, celui-là, et puis après tu vois t'as un peu de noir là si tu veux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Déjà là on commence par un petit make-up Barbie, donc avec du violet sur les paupières. Et là c'est Barbie qui est fatiguée avec des petites cernes violettes. Magnifique. Faut en mettre plus peut-être? Non je vais lui mettre une autre couleur. Vas-y, fais-toi plaisir. Je pense que je vais mettre ta couleur préférée. Non. Non. Alors pour ceux qui sont pas au courant, je déteste le vert. Donc quand il dit ma couleur préférée, c'est le vert. Que le rouge, il a le droit. Ok, c'est pas mal. Avec un peu de ça, c'est pas grave si je mets... Ah vas-y, vas-y. Je peux peut-être étaler un peu plus, non? C'est toi qui choisis. On dirait que t'es une femme battue quand même. Hein. Franchement, c'est... T'es en train de me faire des cocards, c'est ça? Ouais. Un peu ça. Ouais. Ça commence bien. Il me regarde avec des yeux en mode je sais pas si je suis en train de faire quelque chose de bien ou de pas bien. Attends, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, juste sous l'œil là, t'as rien. Ah voilà. Très bien. T'es fatigué? C'est mieux là hein. C'est bien là. C'est pas mal. Des belles cernes. C'est pas mal, c'est pas mal. Par là aussi non? Bah c'est à toi de faire mon chat. Bah ouais mais moi je vois pas trop... Je vais pas te dicter un zombie, tu le vois comment un zombie? Je suis censée te faire peur. Bah là ça y est. C'est fini. ok. Très bien un peu de bleu aussi non? Non ça va faire tout mettre. Non vas-y. Bah si autour de la bouche quand même, enfin genre là quoi. Là c'est bien ça, un truc qui bave quoi, tu sens. Un truc qui bave. Je sais pas par où commencer, bon par là. Ton teint un petit peu par là. C'est pas mal. Souris pas trop, hein. C'est pas drôle. Tu m'as fait des moustaches là, c'est quoi ça? Mais non, c'est là les moustaches. Non, je t'ai pas fait au-dessus. D'accord. Je suis juste là sur le côté. Ok. T'aimes pas? C'est un style. Moi je trouve ça joli. Mm-hmm. Un peu là aussi, là. C'est d'accord. On dirait un vieux clown. Ouais, j'avoue. C'est quoi?
ça. Non, mais c'est ça qui... pas de dire mon tessio. Je peux remettre du blanc par dessus peut-être. Tu peux. Tu peux essayer de rectifier un peu tes bêtises parce que là je te jure que ça fait trop peur quoi. Bah c'est le but non? Ouais mais peur dans le sens... pas un zombie quoi. En plus il rigole à chaque fois qu'il me regarde, il est génial. Non. Non. D'accord. Donc je rattrape le dessus là. Mm-hmm. Moi je trouvais ça cool. Je souris pas. Fais justement l'envers. Ah oh, parfait. C'est encore pire. Regarde. Ça te fait une grosse trace blanche. Vas-y. Mais non, je le fais. Ok. Ce qu'on appelle estomper. Oui, bah oui. C'est ce que j'allais dire. Tu estompes. Voilà, j'estompe. De toute façon, on verra quand même tes bêtises. Non, ça, franchement, ça se voit presque plus. Si, là, un peu. Moi, j'estompe pas, je mets un pâté. Voilà. C'est magnifique. C'est ce que je me suis dit aussi. Brime. Ok. Ce qui est pas mal assis à faire, c'est ici, vous voyez, pour donner des petits effets. En fait, c'est de se servir des choses qui existent déjà et de venir rajouter là, tu vois. Et du coup, on vient les cerner un petit peu. Et après, on va venir aussi estomper. En gros, ça va me donner un côté un peu dégueu, quoi. Un peu dégueu, un peu bleu. Ouais, j'avoue. Encore, hein. En plus, c'est un nickel, celui-là. Alors, tu peux mettre du rouge, du violet, toujours dans les mêmes tons, mais voilà. Comme ça, ça va vraiment, on prend vraiment toute cette partie-là pour faire zombie. Oui. Autre chose que tu peux faire aussi et qui est pas mal pour le côté un peu cocard, c'est que généralement, il y a plusieurs de couleurs et il y a des fois un petit peu de jaune aussi. Donc tu peux t'amuser à récupérer un peu de jaune que tu mélanges avec tes palettes à côté. Et au niveau du cerne du bleu, en dessous, rajouter quelques petites taches en fait et quelques petites zones jaunes qui vont donner vraiment un côté hématome, un côté cocard et donner un côté dégueu quoi. D'accord. Ouais. Bah là c'est bon du coup tu l'as fait. Mm-hmm. Bon mais du faux sang. Allez, donc ensuite une fois que vous êtes content de votre tête, alors moi je vais juste rajouter un truc ou deux parce que je suis un peu pointilleuse. J'ai envie d'avoir un truc dégueu. Parce que je vais alors, passer la soirée pas avec bien. Ça. Si franchement tu t'es très bien débrouillé. Mais c'est de prendre un peu de rouge, un peu de violet. Et pareil ici, venir creuser au niveau un peu des tempes, donner un petit côté un peu dégueu aussi en haut. Donc là pareil, on n'a pas besoin de vraiment mesurer, mais voilà, c'est là sur les côtés. Faire ça aussi, c'est très important, le petit... C'est une bonne tête quand tu fais ça. Ouais, c'est pour faire le côté creusé. Ok. Voilà, ce que j'ai à faire comme conseil. Et après, vous vous lâchez, hein, voilà, faut vraiment que ce soit bien rouge, bien dégueu sous les yeux. Et la petite chose qui va venir... Votre côté zombie, c'est cette chose-là. Le faux sang, donc fake blood. Moi, je l'ai récupéré à Claire's, il m'a coûté 3€. C'est dégueu sur le moment, vous pouvez faire des super belles photos. Après, quand ça sèche, ça ressemble vraiment à du faux sang. Donc, c'est sur l'instant. Vas-y. Je peux en mettre où je veux. Ma bouche, là. Là, là. Genre là, sur ma le côté, bouche, ouais, là, partout. Et tout. Là, vas-y. Et je le mets avec mon doigt ou... Non, tu le mets directement au tube. Et tu le laisses couler. Là, j'ai peur. Parce qu'en fonction de comment il appuie... On ça... a pas de truc, là, parce que ça risque de... Ça peut. D'accord. Bon, en même temps, c'est pas grave. Vas-y. Hein. Vas-y, faut que tu laisses couler, faut bien que t'appuies et que tu laisses couler. C'est assez gluant en fait. Ouais, mais faut que t'appuies plus en fait, faut pas que tu... Ok, et là, il faut pas partir. laisse couler coller. Tranquille, tu vois. Bah, ok, je laisse couler. Voilà. Ouf, là pour le coup ça fait des bons pâtés quand même. Bien sur les lèvres, bien partout et vous laissez gentiment couler et là ça fait vraiment effet sang quoi. Du coup puis le bisou, ça t'en met sur les dents après c'est pas grave. Non, c'est fait exprès justement pour pas que ce soit gênant. Les dents aussi on peut pas faire genre des dents un peu noires. Non merci ça va aller. D'accord, là ça va. Là, ça va. Voilà, ouais. Là ça coule là. Donc voilà. Ça va tomber. Ouais, t'approches pas trop quand même, arrête. Il a peur. Non. Et ben voilà, ce make-up est terminé. Ben je voilà. Coule de partout. Nickel. Ah, c'est blood. Vous pouvez après vous amuser à vous décoiffer un peu, à faire quelque chose d'un peu plus foufou. Moi mes cheveux sont déjà dégueux en ce moment donc c'est parfait.
ça va totalement dans le thème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à mon maquilleur, voilà, là je suis prête pour Halloween. Je suis prête. Ouais. On vous fait des gros bisous. On vous dit salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. I could stay like this forever following you. Just don't get too far.